de leurs deux chevaux. S'en vont Thibaut et Blanchot, cheminant vers le château. Du comte de Méricourt. Mauvaise rime. Vont fêter les 18 ans d'une jeune enfant. Tu as dit qu'elle a 18 ans. Inutile d'ajouter qu'elle est jeune, même pour la rime. Je ferais très bien le troubadour. Il n'y faudrait qu'un peu d'exercice, c'est comme de tout. Je ferai le troubadour à l'anniversaire pour Alix de Méricourt. Tu as les doigts trop gros pour ce luth. Range-le, je t'en prie. J'ai le doigt gros, mais le toucher fin. Tu as peur que j'abîme le cadeau d'Alix? Tu ne l'as pas vue depuis 3 ans. Elle a peut-être des doigts plus gros que les miens. Ça m'étonnerait. Elle avait la grâce d'un petit poulain. Ah ben, j'en ai vu des filles entre 15 et 18 ans qui passaient de la grâce du poulain à celle du percheron. Nous jugerons bientôt. Il y a quelqu'un qui vient du château. Ben, c'est peut-être Alix qui vient à ta rencontre. Si c'est Alix, elle ressemble à son frère. Mais c'est son frère, Frédéric. Mes amis, bienvenue. Bonjour à toi, Frédéric. Montons au château. Pardonnez-moi, j'ai de tristes nouvelles à vous dire. Le comte? Alix, mon père vous expliquera. 9 jours. Il y a 9 jours ce matin. De cette fenêtre, je la regardais monter à cheval. Elle est sortie de la cour pour sa promenade habituelle. Elle n'a pas reparu. Toute une semaine, nous avons battu la région avec nos hommes. Fouillé, interrogé. Aucune trace, aucune nouvelle. 9 jours. Je la regardais partir par sa route accoutumée vers le sud. Elle s'est retournée sur son cheval. Elle m'a fait un petit signe de la main. Si seulement nous pouvions recevoir un message nous réclamant une rançon. Seigneur, un fellah vient d'arriver qui demande à vous parler en personne. Vite! Salam alaikum. Alaikum, salam. Mais c'est à nous. Et l'anneau de ma fille. Parle. Est-ce qu'elle vit? Seigneur, elle vit. Et c'est elle qui vous parle par ma bouche. Va trouver le comte. Dis-lui que de ce jour anniversaire, le vicomte Frédéric et lui-même ne fassent pas un jour de deuil. Car tu as vu sa fille sauve et en bonne santé. Assure-lui que je ne suis au pouvoir de quiconque qui me veuille du mal. Montre-leur cet anneau pour gage de ta bonne foi. Où l'as-tu vue? Et quand? Le jour d'avant-hier. Elle m'a arrêté alors que je traversais la plaine de Sartan. C'est ton pays? Je suis nomade. J'ai un cheval, je me loue au jour le jour aux travaux des cultures. Elle m'a demandé si j'allais en direction de votre terre, j'ai dit que oui. Qui l'accompagnait? Elle était seule. Son cheval arrêté près d'elle. Mais qui nous prouve que c'est ma sœur qui t'a parlé? Cette bague, il me semble. Qui d'autre aurait intérêt à vous faire un tel cadeau? Si elle t'avait parlé d'une proposition, enfin d'une négociation que quelqu'un nous proposerait pour son retour, tu peux parler sans crainte. J'ai rempli ma mission et je ne peux rien vous apprendre de plus. Tu vas à Zardane à présent? Non. Où donc? Vers Chesrael. Je suis l'intendant du château. Accepterais-tu de travailler sur nos terres? Je vous l'ai dit, je suis nomade. On te paiera 3 fois le prix. Mon beau-frère m'attend pour aller moudre son grain à Uriel. Tu as dit à Jézraël. Frédéric, vous troublez ce brave paysan. Cessez vos questions, il vous l'a dit. Vous n'apprendrez rien de plus de lui. Comte, comment allons-nous remercier ce bon fellah? Mais il me semble que cette bague lui revient. Vous autres francs, vous n'imaginez jamais qu'un paysan musulman puisse rendre un service désintéressé.
Salem. Salem. Cet homme nous ment. Une chose est certaine, Alix est vivante. Frédéric, fais-nous sceller 3 chevaux. Et surveille le fellah quand il partira. Et toi, Blanchot, va avec lui. Thibault. Ne me demandez pas ce que je pense. Je n'en sais rien. Je n'ai aucune idée du rôle que peut jouer ce paysan. Je crois, par contre, qu'il ne nous dit pas tout ce qu'il sait. Il nous faut le laisser libre et suivre sa piste. Talonné, poursuivi. Il nous a vus. Si nous engageons derrière lui à travers ces rochers, nous risquons de le perdre. D'où nous sommes, on peut surveiller cet endroit. Vous allez rester ici. S'il essaye de s'enfuir, vous ne pouvez manquer de le voir. Frédéric, tu as compris? Oui. Et s'il attend la nuit pour s'échapper? Ou bien avant la nuit, il aura quitté son labyrinthe, ou bien moi, j'aurai trouvé sa tanière. Allah Akbar. Dieu te garde. Que puis-je pour vous, chevalier franc? Je suis Abderrahman, émir de la tribu de Benizilel. Merci à toi. Nous sommes venus chasser. Nous choisissons notre terrain. Nous chassons aussi. Nous ferons en sorte de ne pas nous disputer le gibier. Qu'Allah bénisse votre chasse, chevalier franc. Et la vôtre, émir. Salam. Au revoir. Blanchot, ton épée. Mais pourquoi Thibault avait-il besoin de ton épée? Je n'en sais rien. Fais comme moi, fais-lui confiance. C'est moi que tu cherches? C'est toi, en effet. Et où as-tu laissé tes compagnons? À épier, de loin, comme 2 chacals? Garde pour toi tes insultes, paysan. Sinon, je te briserai les reins. Lève tes poings, roule tes yeux, pense à me faire rentrer sous terre. Chevalier, en vérité, tu donnes là une belle image de ta chevalerie. Manant, finiras-tu de m'insulter? Qui est l'insulteur, ici? Un pauvre fellah musulman pour rassurer une famille angoissée. Sans aucun profit pour lui. Transmet fidèlement ta message. Il a fait 30 lieues tout exprès. Pourquoi exprès? Tu as dit que c'était ton chemin. Si une fois dans ma vie j'avais montré une ingratitude égale à la tienne, je m'en punirais sur le champ. Des mots. Mais pour punir un autre, tu es trop lâche. Lâche. Défends-toi. Seigneur, vous maniez fort bien l'épée franque pour un paysan. En garde! J'ai seulement voulu te provoquer. Tu t'es trahi. En garde! Une autre fois, si tu veux, quand tu pourras reprendre ton cimeterre.
Que crois-tu avoir gagné? De te connaître. Bats-toi à mort avec un homme pendant une minute et tu verras quelle est son âme. Et qu'as-tu vu de la mienne? Qu'elle était noble. Tu ne sauras rien d'autre de moi que ce que je t'ai dit. Je m'en doute. Mais pourquoi? Imagine que j'ai fait un serment. S'il te plaît, en partant d'ici, ne fais rien qui puisse trahir ma cachette. D'autres hommes encore me cherchent. Qui? Des hommes. Entendu. Adieu. Tu es amoureux de la jeune fille? Tu ne me dis pas tes secrets. Pourquoi demandes-tu les miens? Chevalier, alors vous prétendez débusquer quelques léopards tout seul? Hélas, émir, j'ai examiné chacun des trous de ces rochers sans y trouver la moindre trace de vie. Le léopard n'est pas une chasse de chrétiens, chevalier. Je vais vous signaler un gibier plus rare, un gibier de France. Allez droit jusqu'à l'oued. Oh, vous dites rivière, pardon. Oui, droit devant vous. Aux environs du deuxième coude vers le levant, si vous approchez discrètement, vous aurez la chance d'apercevoir une biche blanche. Puissiez-vous avoir l'adresse de la capturer? Je prie Allah pour qu'il bénisse votre chasse, chevalier, et de tout mon cœur. Frédéric. Thibault. Compagnon de ma langueur. Tu t'ennuies dans ma main, oiseau. Je sais. Patience. Patience, quelqu'un va venir bientôt. Je n'aurai plus besoin de toi. Je pourrais te laisser t'envoler. Il a quitté le château, se hâte vers mon ruisseau. J'avais un château autrefois, tu sais. Maintenant, je suis châtelaine du ruisseau. Amour a fait mon château dans l'onde de ce ruisseau. J'attends de mon amour le retour. Abderrahman et ses cavaliers n'ont pas arrêté de tourner en rond, comme des ombres. Ces hommes sont une menace. Mais pour qui? Si nous devons retourner sans ma sœur, mon père en mourra. Tu gardes confiance? Confiance en Thibault, oui. Mais ne me demande pas pourquoi. Il y a sa force, il y a son courage, bien sûr. Mais il y a autre chose encore. On dirait que d'avance, tout ce qu'il entreprend est béni. La chance? En un sens, oui. On pourrait croire qu'il n'a qu'à demander. Et il reçoit. Seulement... Quoi? Seulement, si tu veux son secret, je te le donne. C'est un dur secret. Hein? Il ne demande jamais pour lui-même. Je ne me rappelle pas jamais avoir vu Thibault penser à son bonheur. Attends-moi sagement ici. Quand je reviendrai, nous aurons une invitée. Il faudra la porter doucement. Allez, attends-moi.
Il ne va plus tarder maintenant, j'en suis sûre. Tu seras libre, c'est promis. Quelqu'un t'attend? Oiseau, es-tu fille ou garçon? Si on t'attend, c'est que tu es un garçon. Si tu étais une fille, c'est toi qui attendrais. Seule aide m'a délaissée. Il reviendra. Il aura été trouver mon père et mon frère et il les aura consolés pour l'amour de moi. Il a mis un habit de paysan pour l'amour de moi. Je me jetterai dans ses bras, dans son habit de paysan, sous lequel il est plus beau que sous son manteau d'émir. Amour a fait mon château dans l'onde de ce ruisseau. J'attends de mon amour le retour. Alix! Je suis là, Noureddin. De tout le jour, je n'ai aperçu qu'un petit groupe de cavaliers. Ils m'ont vu, mais ils ont continué sans s'inquiéter de moi. Thibaut! Où est Noureddin? Ne crains rien. Ne crains rien, Alix. L'homme dont tu parles est en sûreté à quelques lieues d'ici. Tu dis en sûreté? Alix, ton père est en angoisse de toi. Noureddin aussi est en angoisse de moi. Il est mon époux. Il m'aime et je l'aime. Depuis quand une fille doit-elle plus à son père qu'à son époux? Thibaut, il faut me ramener d'abord à Noureddin. Pour le reste, tu auras tout le temps d'en décider après. Toi, je t'appelais mon grand frère. Je n'ai pas oublié. Je pense comme tout aurait été plus simple si j'avais aimé un chevalier franc. Oui, j'y pensais aussi. C'est l'amour qui choisit, pas nous. Ça aurait été plus simple, mais pas plus heureux. Regarde, toi, toujours à courir l'aventure. Noureddin, lui, ne me quittera jamais. Pour l'amour de lui, j'ai quitté les miens. Lui, pour l'amour de moi, il a rompu avec sa tribu. L'émir, son frère, n'admettait pas le mariage d'un musulman avec une chrétienne. Quelle tribu? Les Bénizilel. Tu connais cet émir? Je connais son nom. Abderrahman. Allez! On se bat. Regarde qui arrive. Thibaut. Thibaut et Alix. Allons-y. Cache-toi. Nous réglons ici une histoire de famille, chevalier. Passe ton chemin. Je suis là pour négocier. Rengaine ton arme et laisse venir ton frère. J'ai affaire d'abord avec lui. Nous battre.
Ce combat devient stupide! Les enjeux de chacun de nous viennent de s'échapper. C'est parfaitement juste. Je me soucie fort peu de cette demoiselle. Et moi de votre frère. Blanchot, cessez de combattre. Prenez garde, Franc. Si vous touchez à mon frère, celle-ci mourra. Calmez-vous tous, ne bougez plus. Émir, puisque chaque camp a son otage, êtes-vous prêt à négocier? Le marché sera simple. Je ne tiens pas à faire de mal à la jeune fille. Si vous me rendez mon frère, je vous la rends. J'accepte. Quelle garantie? Les arcs pointés. Donne l'ordre! Alix! Viens vers nous! Thibault, il n'y aura plus de bonheur pour moi en terre franque. Écoutez-moi maintenant, tous les deux. Ils sont désormais époux. Aurons-nous la cruauté de les séparer pour toujours? Abderrahman, que ferais-tu à ma place? Je suis né moi-même du mariage d'une musulmane et d'un chrétien. On voit bien que tu n'es ni son mari ni son frère. À toi, il ne coûte rien de la céder. Tu dis la vérité. Frédéric! Que ma sœur en gagne d'abord la maison de son père, c'est à son père de décider. Dans notre maison à nous, c'est moi qui décide. J'ai déjà décidé. Avancez! Qu'il nous tue! Oh oui, qu'il nous tue ensemble. Qu'attendez-vous ?